Aujourd'hui, c'est jour 3. Et là, ce matin, on va au palais de Tokyo. Enfin, ce matin, déjà midi. Donc voilà. Palais de Tokyo. Et je vous emmène avec moi. On a fait, elle a scanné toutes les assiettes et ça nous a donné le prix. Bon, je vous explique. Là, on vient de finir de manger, on a bien mangé, on a payé. Et là, on va juste. J'attends les autres s'ils sont aux toilettes. Et en gros, on va échanger les sous et on va faire du shopping. Merde. Thank you.
coup, je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Il n'y a pas tout parce qu'il y a des trucs qui sont dans des sacs fermés parce qu'on a utilisé le duty free, le tax free. Du coup, bah, c'est les fermés. Bref. Commence par. J'ai acheté l'artbook de Oshinoko. Je tourne pas les mangas, mais j'y suis depuis le début. Du coup, voilà. J'ai enfin l'artbook d'Aikyu. Parce qu'en France, il coûte 50 balles. Et je crois là, je l'ai payé genre 25 ou 30. Et du coup, j'ai ma collection complétée. J'ai l'artbook et tous les tomes. Et je vais peut-être voir si je vais prendre des tomes en version originale en VO. Dans les trucs d'arcade, j'ai pris cette petite figurine. Je l'ai eu en. Pour. Je l'ai eu pour 1500 yens. Ça doit faire 12 balles, je crois. Et. Après, on les a vus. Enfin, on a vu ces figurines qui étaient en boutique. Elles vendaient genre 3600. Du coup, j'ai fait une bonne affaire. En plus, elle est trop mignonne, genre. Regardez, elle est allongée et tout sur son bloc. Bref, elle est trop mignonne. C'était ça, c'est des lentilles. Il y en a. Les verts, c'est pour ma mère. Et ceux-là, c'est les miens. Ou pour aller avec ça, des caisses de protection. J'ai acheté aussi des Pop Mart. J'en ai acheté que deux. J'aurais dû en acheter quatre, comme ça, j'avais pas de taxes. Mais j'ai pas pensé. Du coup, j'ai déjà eu une figurine de cette collection. D'ailleurs, celle que j'ai, c'est. Celle-ci, normalement. Attends. J'ai celle-ci avec les petits chats. On voit pas du tout. Mon téléphone pue la merde. Je vais changer de téléphone plus tard. Bref, j'ai celle-ci. J'ai vu celle-ci. Et ça, j'avais encore jamais eu. Mais c'était trop mignon. C'est des Hirono. Et ça se présente comme ça. En vrai, ils sont tous mignons. Mais j'aimerais bien avoir celui-là parce qu'il est genre tout noir. Je sais pas, en mode gothique, c'est mignon. Bref. J'ai eu un petit Kirby pour. Je l'ai eu en deux coups à la bande d'arcade, ouais. Et voilà, je l'ai eu en deux coups, je suis assez contente. J'ai même tiré le tapis en même temps. J'ai pas filmé parce que j'étais trop concentrée. Bon, c'est tout ce que j'ai pris en gachapon aujourd'hui. Donc, bref. D'abord, on commence par cette petite Anya. Attendez, mais en fait, j'ai la flemme d'après de les remettre à l'intérieur. En gros, il y avait plein d'Anya. C'était pas ma préférée. Je voulais celle qui dormait. Mais j'ai eu celle-ci. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Mais vous la voyez. Après, j'ai eu quoi d'autre Putain, j'ai eu celle que j'aime pas. Si. Je la donnerai à Alix. C'est la capitaine après Erwin. Ça me saoule. J'y retournerai pour prendre un que j'aime. Et après, j'ai eu Hello Kitty en mode fantôme. Et c'est dans les scotch. Ouais, j'en ai ouvert après. Et après, j'ai eu Maiko. Il ressemble à ça. Voilà, très mignon. Joli Levi. ORN. Jour 4. Bon, finalement on a enfin ouvert le sac de duty free qu'on a acheté hier. Regardez comme c'est trop mignon. Voilà, c'est une petite épingle. Achat pas du tout nécessaire parce que mes cheveux tiennent tellement tout seul. Mais c'est trop mignon. Voilà, j'ai acheté ça hier. Et du coup, bah. On va utiliser. On va voir s'il est bien. Il est 10h30. C'est ma tenue aujourd'hui. J'ai changé. Allez, chez One. J'ai acheté en rose, comme ça c'est rare avec mon sac. Et ouais, voilà. Thank you.
Garamine. Bon, ok. Il n'y a pas d'accueil. Que je sais pas où regarder, mais genre il y a plein de photographes, c'est super beau. Et en vrai, j'ai rien acheté parce que genre, je suis en Corée genre dans 2 semaines. Du coup, bah, ça coûte vraiment cher là-bas. Mais voilà. Bleu. Et super, on va attendre que la pluie passe. Du coup, je suis sortie du Stussy, mais en vrai, il n'y avait vraiment rien. Genre, c'était vide. Genre, comparé à celui de Paris. J'ai vu, genre, le fait qu'il y avait genre 6 t-shirts et je crois qu'il y avait 6 sweats. Et c'est tout. J'ai tout fait à un prix, du coup, genre, je suis directement sortie. Et là, je vais aller à une friperie que j'avais, dont j'ai entendu parler, qui est pas mal. Du coup, on va voir. C'est à 5 minutes à pied d'ici. Du coup, bah, il pleut encore un peu, mais ça va. En vrai, la chemise était sympa, mais c'était pas un coup de cœur de fou. Je cherche des jupes, mais j'en ai pas trouvé encore. Bon, là, j'ai pas eu le temps d'aller au quartier pour faire des friperies, donc je vais peut-être y aller quand je serai de retour à Tokyo ou je sais pas, je verrai. Mais là, du coup, j'allais rejoindre mes parents qui sont dans un centre commercial à Ginza. Bon, on va y aller. Thank you.
viens de découvrir que je pouvais filmer en 4K. Le vlog il sera de meilleure qualité. Voilà. Désolée. Parce que du coup, ouais, ça fait genre depuis 3 jours que je filme en 720p. Du coup, bah voilà, je viens de l'apprendre aujourd'hui. Par contre, ouais, le fait de rentrer chaque fois à pied et de voir la tour, c'est vraiment un banger. Ouais, et du coup, mon hôtel. En gros là il y a un petit chemin pour accéder au devant à l'entrée qui est juste ici. Enfin il y a quatre entrées. Genre du coup je disais il y a quatre entrées. Et celle que vous voyez que j'emprunte quand je marche dans les galeries souterraines, bah c'est l'entrée est qui donne sur la ville la plus proche. Et avec un temple à côté et le parc à côté du coup. Là maintenant c'est fin de journée, en gros demain à 11h on va à l'aéroport parce qu'en gros c'était notre dernier jour à l'hôtel aujourd'hui et on change de ville demain. Du coup on reste 2 jours dans la nouvelle ville et après on rechange d'hôtel. Du coup en fait là je suis juste mes parents, du coup bah, je filmerai ça. Du coup bonne nuit, à demain.